Oui, bah, le record est lancé. Salut tout le monde, Ah bienvenue à bah l'épisode. bonjour, bonjour. L'épisode inséré numéro de l'épisode ici. 12, le plus ou 24. moins. Probablement pas. On était dans la soixantaine, on était proche du nombre fétiche. 66, il a dit. 66? Le magot, il a dit, on était au Le 60. chiffre du malin. Et bientôt le chiffre de la bête. Et personne n'est mort. Absolument. De quoi tu parles? Bon, pas aujourd'hui en tout cas. Oh, je viens de me rappeler que j'avais hâte. Quoi? Ouh, bah tu sais, mon arc il balance hâte. Bon, on va ah lui. Je fais une chanson à ton honneur. On va parler au monsieur. Ah, tiens, je viens de faire quelque chose. Just a friendly looking shadow. I believe in the light. Oh, attends! Je peux pas le targuer. Non. Mais, damn it. Wait! No! It cannot be. Were you the one who took my poor Astarian? On a déjà vu tout ça. Salut. Oh, il n'y a pas de. Ah, le petit fil. Je me suis positionné, je suis prêt. Tout le monde est prêt? Attendez! 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 Ça arrive fort. Eh, mais j'aurais bien voulu qu'on ait l'option pour devenir vampire. On peut techniquement, je suis allé regarder que si on pouvait pas, mais on 3, peut, mais que... 2, 1, c'est bon. Ah bon, bah vas-y alors, c'est parti, la mission d'huile, let's go, let's go. Mind toi la chatte! Vite, non, mais vite, vraiment là, parce que mon. Là-bas, non? Oui. Ouais, ouais, la bagarre, hein. Oh, ouais, la bagarre. Kato? Oui? Bah, la bagarre? Bah, oui. Il fait son blabla, je suis immortel. Ah ouais, parce que moi là il me reste plus que 8 tours de. Ah oui, de toute façon je vais me faire Ça va, 8 tours, t'auras de quoi faire. Non, 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 mais non, mais non, mais de suite, monsieur là. Ouais, bon, allez. Ah, il va quand même lancer son truc. Bonjour. J'ai rien senti. Enchanté. Alors, moi je m'en fous, ma cible c'est lui. Bonjour. Oh! Il m'est passé à travers, je suis décédé. Tu. Non, mais t'as peut-être pris 42 points de dégâts nécrotiques. J'ai même pas eu le temps de sortir mon arme. Ah, mais c'est pour ça, c'est parce que j'ai pas la bonne arme. Je suis obligé de repasser à l'arme qui fait de la lumière. Ouais, mais c'est pas pour ça que ça te rend fragile. Mais il frappe. Non, parce que comme ça, quand il se rapproche de moi, il perd son aura vu qu'il devient affaibli vu que ça fait de la lumière. Ils ont comme il a... de PV quand même, les saletés de trucs là. Qui... Bah, comme honnêtement, les agneaux sacrificiels, je sais pas si ça va pas plus vite de le tuer lui. Hein. Bah, t'as quand même 106 PV. Faut voir, faut examiner qu'est-ce que ça donne. Lui, sachant qu'il se transforme en petite brumette de merde, bon. Est-ce qu'on peut le buter déjà sous sa forme là, là? Ah non. Ah, mais faut... ok, en fait, quand ça sera bientôt la fin du rituel, faut se foutre dans les sigils, ça suffit. Voilà. J'ai Paris. Marché sur le sigil et ça avait l'air de d'être efficace. D'interrompre le machin. Ouais. D'accord. Enfin, si j'avais su, j'aurais pas tapé un bonhomme, du coup je viens de gâcher un tour, mais bon, c'est pas grave. Tu veux qu'on relance vite fait? Bah, parce que moi je suis mort en fait. Bah, je suis chaud. Tu vois, il donc, s'est fait un centre comme un gros cax. Ah, ça. J'aurais pas dû me mettre à côté du nain, je le savais. C'est pas beau, j'ai rien fait, regarde, moi je suis en parfaite santé. Est-ce qu'on en profiterait pas carrément pour relancer l'épisode? Mais non, moi j'aimais bien le début de l'épisode. Il était super. Le début de il ben, était. On va garder, c'était. Dans toute notre gloire. Et c'était Chavert, la patte de l'expert. Il était pixel. Ouais, je pense que même tous les plus grands professionnels vous ont jalousé. Un peu vert ouais, ouais. Carglass. Je suis un état de fatigue demain. Tellement. Ah, bah ah bon, oui. T'as une pièce de 2 euros sur ton pare-brise? Ah, une grosse pièce de 2 euros, à mon avis, oui. Alors, oui, c'est une pièce de 2 euros qui fait 2 mètres carrés, mais c'est une bonne pièce de 2 euros, quoi. Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta voiture? Ah, oui, t'étais pas là. Il a rencontré un mur. Écoute, t'as rencontré non, un mur? C'est pas exactement ça. Il y avait un frigo dans sa voiture avec des vélos à l'arrière qu'il allait jeter, et puis il a rencontré un mur. Voilà. Et bizarrement, bah, le mur. Il a gagné. Il a gagné. Attends, voilà. Dans quelle configuration t'as pas vu le mur? Ah non, mais je l'ai vu un frigo dans le coffre. Parce qu'il a vu le frigo. J'avais un frigo dans le coffre et des vélos à l'arrière, et du coup, pas de rétroviseur pour me dire quand est-ce qu'il fallait. Est-ce que j'étais à 10 cm du mur ou à 50, tu vois? Ou sur le mur? Ah, d'accord, c'est voilà, la c'est arrière que t'as explosé. Le porte-vélo, du coup, quand il a rencontré le mur, il s'est dit bon, à moi, du coup, je peux pas aller. Nos grâces?
Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans l'autre sens. Et là, le pare-brise, il s'est fait... Bah, moi, du coup, je rencontre le porte-vélo, je peux pas aller plus loin. Du coup, je vais aller dans l'autre sens. Il s'est rappelé qu'il pouvait pas bouger. Du coup, il s'est dit, bon, bah, je vais me casser. Bon, fuck it. Tout le monde est en place. Ouais, moi, j'attends que ce soit la bagarre pour de cote mon arme. Allez, 1, 2, 3, je fais l'attaquer. Blablabla. Et on entame. Ah bah tiens, je suis encore à côté de toi en plus. Il va encore refaire son truc à la con. Et cette fois, j'ai sorti mon arme. Et tu penses que c'est ça qui va te sauver? Hypersensibilité à la lumière du soleil. Tiens, voilà, il donne plus son truc à la con là. Ah si. Ah! Ouais, je sais pas si c'est pas si c'est mieux hein, là en fait, sur one shot. Ah bah tiens, Merde. Voilà. Cette fois, j'ai regardé quel était le niveau du sort. Bon! Ah, pas mal! Donc, moi, donc on doit se mettre sur les runes. C'est lui. Ouais. Comment ça tu m'esquives? Oh l'échec. Tu vas arrêter. Ouais, il a 22 d'AC quand même, hein, le bouge. Bon, ouais. Je mets une fin d'adar. Alors, moi, vraiment, je vais galoper comme un teuteux sur Chattertis. Hein. Moi, T'inquiète, il a 22 d'AC, ouais. Mon fion, ouais. Il est surtout stun là. C'est le moment. Faites-vous plaisir. Ah ouais, là ça... Ouais. Après s'il est stun, c'est... Tu remarqueras que je te l'ai préparé hein. Oh attends, je vais l'attendrir, je vais l'être par terre. Ah oui, effectivement, dès qu'on est sur un sigil, il perd des... Mais du coup il a récupéré tous ses points B. Tout ce que tu lui as fait, c'est... Bah oui, parce qu'en fait t'as revenu, il est passé à force rituelle 6 et en fait il a récupéré ses 60 PV. Oh non, bah c'est my bad, je suis désolé. Non, c'est pas grave, je vais le mettre par terre et on va essayer de l'attendrir. Ah ben non, ça sert à rien si je le mets par terre, toi tu pourras. Et surtout que en fait tu l'as maravé alors qu'il avait pas l'hypersensibilité de la lumière. Ah ouais, non mais bon là les gars. T'aurais pu te déplacer, enfin. Mais voilà, tu l'as pas l'excuse. Bon, petite fin d'adar, je suppose, pour bloquer les gens qui vont venir. Allez. Bon, si je le mets. Si tout se passe bien, je peux peut-être le one shot. Quoi? Pas le one shot, enfin le shooter dans un seul tour. Après ça c'est ça dépend que de toi hein. Je fais un dégât. Voilà. Si je le mets par terre, si je le... Voilà. Poncez sur chauve-souris. Mon dieu, non, excusez l'escalier. Oh mon dieu, elle te fonce dessus. Et nous fonce dessus. Et nous fonce dessus. Ah ouais, allez, cassez bien vous là, les derniers. C'était quoi ce petit cri au début du tour là? On va faire ça. On va faire ça. J'aurais pu prendre une potion aussi, j'ai oublié. On a un nain géant, c'est-à-dire qu'il a une taille normale. C'est un humain en fait. C'est c'est pas un humain, c'est un unain. Un unain. Un lunain. Allez! Ah. Oh mais non, j'ai pas fait ça. Ah bah c'est dommage. Ah c'est moche. Qu'est-ce que t'as fait? Enfin qu'est-ce que t'as pas fait? J'ai omis les autres carailles. Les autres carailles? Oh attends, est-ce que je peux lui retirer son arme? Non. Merde. Qu'est-ce que tu fais avec l'arbalète? T'occupes. Oh! Mais il l'a toujours dans la main son arme. Hein. Oh. Tu te fous de ma gueule. Bon bah en fait c'est tout. C'est ce que déjà pas mal hein, on va pas se le cacher. Attends mais il se heal de combien à la fin du tour ce con? À la fin de ce tour-ci rien vu qu'il commence son tour dans mon impact de lumière. Donc il perd des PV au début de son tour. Par contre il faut que je sois à côté de lui à chaque fin de tour donc Ah oui d'accord. C'est refoncé et puis il est. Vas-y, du coup le rituel, on sait combien de temps ça dure ou pas? Je sais pas, 3-4 tours. Dernière fois. Bon Arda, fais-toi plaisir là. Au pire tu balances un sort sur la gueule, je l'esquive, on s'en fout. Oh la machine gun quoi, j'en peux plus. Oh le pauvre type. Le pauvre type en face quoi. Là je lésine pas sur les moyens. J'ai vu, un petit sort de level 6 là non? Non 5. Ah tu lui as mis le... Curriculum stratégie AE, art de la guerre.
Entre 18 et 78 points de dégâts. Ouais, ça, ça a été efficace. Ça va, bah, vous lui avez fait à 2. Vous lui avez fait un bon 160 de dommages, quoi, un truc comme ça. Non, il avait 60 PV de... Bah c'est ça, donc... 150... Ah. Oh, bah c'est pas. Ah bah oui, il était stun, il pouvait pas jouer le bug. Ah putain, mais du coup je suis parti, du coup il a regagné ses trucs, j'ai envie de mourir. Ah zut, je peux pas... Je l'ai restun ou pas? Non, pas encore. Bon, bah bon, voilà, on va continuer de taper, non, on l'a pas stun, on tape. Hein. Ah ouais, moi je peux le faire glisser par terre. Donc. Ouais, je peux le stun, mais je vous douche. Non mais moi il va pas jouer, hein. Qu'on soit clair, il ne jouera pas. Hein. Enfin... Si je peux, non mais c'est moi qui ai raison, j'ai dit. Tiens, mais il esquivait 4 attaques quoi. Il esquivait 3 attaques sur les 5, j'ai envie de crever. Attends, ah ouais mais du coup je peux pas retourner dedans, bah ouais. Ah. Oups, je te mettais dedans, mais normalement non. Mal, ça je sais pas. Oh non, mais regarde. Voilà. Ah, par contre, ça m'enlève. C'est embêtant, ouais, ça, c'est. J'aurais dû dire que j'esquive. Je me suis dit, bon, mais j'ai oublié que j'étais. Ouais. Non, bon, compte sur toi, mais il lui reste pas beaucoup de PV là. Il a merde, je lui refais un PV. Normalement, j'espère que le truc va marcher, sinon, ça va être caca. Hein. Ok, tu es derrière. Il sent qu'il est toujours dans l'hypersensibilité à la lumière, donc il regagne pas de PV et il se prend des 20 points de dégâts radiant. Alors. Vas-y, ouais. Défonce-le. Merde, je fais des dégâts de quoi moi. Slashing. Ah, il est résistant aux dégâts slash. T'aimes plus, on dirait que tu vas jouer au baseball à chaque fois quand tu prépares un coup là. Oh, man! C'est marrant, ça se passe beaucoup mieux cette fois-ci. Bizarrement. En même temps, la stun. Bon, je pense que c'est bon, hein. Bon, ben voilà. Ah, c'est pas fini, hein, maintenant, il y a des sortes de sarcophages à défoncer. Deux. Ah, il faut deux. Y'a rien à faire sur le sarcophage. Mais il est passé où son cadavre? Dans le sarcophage. Comment tu sais? J'ai vu la boule de sang aller là-bas. Et il s'était pété dedans et t'as un gros rayon rouge au-dessus. Ouais, parce que Arda il a l'œil pour tout ce qui concerne les boules. Ouais. Les boules de Noël. Les boules de Noël. C'est rigolo. Oh, si, c'est rigolo. C'est un cadeau. Ouais. Arda d'ailleurs, en parlant de boules là, faut passer son tour hein. Non, il faut que je sache quel sort je vais utiliser sur qui. Ah, bon, ouais, balance 3 boules de feu d'un coup là. On sait que t'en es capable. Ah, mais Chattertis, il a pris des dégâts aussi. Non, dans l'idée, c'est lui le mec chiant là. C'est Grince-Dent là, le mec casse-couille. Ouais. Pour ce temps, après, je sais pas s'il avait Counterspell ou pas. Aucune idée là, il est aveugle. Il est blind donc il peut pas. Ah oui, bah de toute façon, il voit rien. Normalement. Voilà, il est à terre le Grince-Dent maintenant. Ouais. C'est bien. Par contre, je pensais que je toucherais les deux loups-garous plus le chasseur gur défunt, mais malheureusement, ça a pas l'air d'avoir été le cas. Attends, mais c'est moi, il a sauté, mais il a pas bougé. Oui, quoi? Ah, oui, d'accord. Ah, bah, il est venu sur moi. Coup critique de 0, merci Arda. De rien. A chaque fois. Myrmidon, il se fait marave. C'est pas grave, il est là justement pour encaisser et. Ah, c'est un bon sort. Bon, alors, du coup. Toi. Tu meurs. Toi. Oh, il a plus que 7 PV. Oh, c'est bon ça. Bon, il est où, Jackie, là, son sarcophage là? Ouais, rien à foutre. Là.
poussez-vous là. Bah écoutez, j'ai pris une clé dans le sarcophage, mais y a rien d'autre. Hein. Quoi? Après, ton perso il a dit que ça pouvait attendre, je crois, non? Ouais. Bah, je sais pas. Bon, maintenant que je suis là. T'es dans la fin d'Adar, donc tu vas prendre des dégâts. Non, mais je vais me bouger, tout va bien. Déjà, on va faire. Ah, oui, c'est vrai, bon. Bon, bah. Oh, oh oui, ça c'est bon, ça. Voilà. Il est possible que mon myrmidon soit résistant au feu. Oui, bah, c'est ce que je me suis dit. Oh, bah, il est même immunisé. Un élème de fer résistant au feu. Enfin, de putain, feu, c'est dingue. Feu, hein. Bébé. Oh, bah, t'es mort. On en apprend tous les jours. Ah, t'es pas mort, il te reste des PV encore. Bon, bah, t'es mort. Grince dents là. Il est mort lui. Ouais, ouais. Voilà, j'ai sauvegardé à ta fin d'Adar, ça m'a rien fait. Ah ouais, mais il lui a pété la concentration là, ça c'est. Bah, du coup, ça va encore plus que rien me faire du coup. J'ai mis une chauve-souris à terre qui a un PV. Je me sens utile. Bah, en vrai, j'avais oublié que les chauves. Enfin, que j'avais des tirs et que si je butais des chauves-souris, ça me donnait des actions. Oh, j'avais oublié que j'avais ça aussi. Allez! Paf! Oh non, j'étais trop loin! Non! Ouais. Attends. Je crois que moi aussi j'étais trop loin. Ah, mais non, c'est bon. Hein, quoi? Comment c'est bon? Dabou Dabi. Dabou Dabi, Dabido. C'est loin, Dabou Dabi. Ah oui. Dégage. Surtout, c'est en plein soleil, donc c'est un peu con. Oh, il y avait la saison de Formula 1, c'est ça que j'ai fait ce week-end, j'ai regardé ça aussi, c'était bien. T'as regardé beaucoup de saisons, hein. Saison de WoW. Ouais, 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 bah c'était les championnats du monde de WoW, il y avait la saison de Formula 1. J'ai découvert qu'ils avaient fait une série sur le tournoi de destination aussi, c'était pas mal. Mais c'est quoi cette portée là, hein? Je sais pas, c'était. Je. Quelle arnaque! Ah ouais, bon, t'as vu la taille de mon épée aussi. Tu m'as raté, t'es vraiment nul. Échec critique, putain, il est encore plus nul lui. Hein. Et là, c'est Arda, là. Il nous fait plus de cathédrale et il tue tout le monde. Chute de l'écropole, si haut. Bon, par contre, je sais pas trop quand le combat se finit, quoi, parce que bon. Oula. Oula, il y a une aoe rouge autour de toi. Là. Je viens de remarquer, vous avez vu le personnage qui est tout au nord. Oui, oui. C'est. De quoi? C'est Astarion? Ouais, mais regarde bien. Ah, tout au nord. Astarion zombie, ouais. Oui, parce qu'on l'a buté tout au début. Oups. Oui, c'est pour ça que je l'ai balancé, je me suis dit que t'allais esquiver. Non, mais surtout que j'ai utilisé mon passif pour esquiver automatiquement. Bah, c'est pareil, t'as une meuf à moitié à poil à l'ouest aussi. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop ce qu'elle fout là, mais. Je vais la regarder de dos pour vérifier. Mais ils sont tous à moitié à poil. Ah oui, effectivement, mais y'a. Non, mais les gars, il faut acheter des t-shirts. Aller chez Decathlon, hein, ça coûte pas. Ouais, c'est des vampires. Il faut qu'ils soient un peu. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'ils ont sang. C'est vrai qu'ils ont. On peut pas dire qu'ils ont sang chaud, quoi. Bah, non, eux, normalement, non. Hein. Pas trop, là. Dabi. Yabou Dabi. Ah, alors, la chauve-souris, t'es mort. Voilà. Comme ça, on a plein d'actions. Toi. Tu clames. Je crois que tu l'as eu, hein, le truc, parce que tu fais des dégâts radiants. Ouais, si, tu l'as eu, le manteau du croisé. Incroyable. Lui, donc là, il tu est fais mort. Des dégâts de feu nécrotique et radiant. Lui, il est mort. Celui qui a 14 PV à côté de toi, vous, tu te le fais là. Oui. Ah, oui, c'est parce que j'ai plus d'attaque de base. YOLO. Ah, bah, du coup. Quand ça a fait le YOLO, comme d'habitude, ça m'a bougé mon écran. Du coup, bah j'ai cliqué à côté. Ah, tu l'as raté. Ouais, ça va. Et du coup, tu crois qu'il faut se mettre là, du coup? Aucune idée. Et devient un vampire éternel. Ah bon, bah... Donnez-moi la bénédiction du vampire. Je suis le vampire. Et mon fils, la moindre blessure. Ah merde, j'ai plus là. Bon, bah tant pis. Entraîne mon moule. Ah bah ben merde. On a plus de nains. Bon. Bon bah. Oui mais... Ah il parle.
C'est bon, mais cette fois-ci, on peut lui parler. Je veux être un vampire, moi aussi. Oula. Oh, elle a l'air vachement bien, cette dague. Elle est pour moi. Attends, je viens de voir le truc qui se relance, moi. Bah, moi aussi. Bah. Ah, mais c'est parce qu'on a, on vient d'éteindre la lumière, donc du coup, ça s'est relancé. Ouais, les bulles de savon. Ouais, il est pas totalement mort, hein. Il bouge encore. Bah, il frissonne, ce qui est un peu con. Faut le tuer, pauvre bête. Alors, c'est pas que je veux pas, mais moi, il se passe rien, là. Bah, moi, pareil, il se passe rien. Si, là, je le vois convulsé dans son cercueil, en train de tenir sa dague, comme si c'était son doudou. Ouais, moi aussi. Espace passé, j'ai fait espace passé. Jet de sagesse. Difficulté 0. Les gars, bon, je sais pas si je vais réussir. C'est ça que tu fais 1. J'ai fait que 6, hein. Ouais, c'était pas loin, hein, c'était pas loin, hein, c'est pas loin. Allez, un bon pieu en bois dans le cœur et on n'en parle plus. Ouais, fais le bouffer de l'ail. Bro, va bien crever en enfer, toi. On a buté des gens pour moins que ça, donc j'ai envie de te dire. Bah, moi, je voulais la dague, quoi, donc. On a buté des gens sur des charges moins fructueuses, hein. Putain, il a eu le temps de faire une petite citation là avant de crever là, tard, c'est tellement bon bien. Il y a ce hein, comme dirait Ezio. Hein. Ouais. Oh. Ah. Il y a un gros bœuf. Un gros bœuf. 7000 rejetons, ça en fait de l'XP ça. Alors. C'est sur le bâton que plus ne puisse jamais s'enfouir. Ah merde, y a pas une option pour que ça devienne mais maintenant, je suis un peu déçu. On va pas se cacher. Bien l'armée de mignons, bah ouais, non, enfin t'as 7000. On n'est pas chaotique mauvais, là. On va pas détruire les prisonniers. Mais c'est tous mais non, mais c'est des vampires. C'est tous ceux qui disaient arrêtez pas de demander ça, ils étaient en souffrance. T'as pas écouté que ce qu'ils t'ont dit, toi. Oh, je sais pas, j'ai vu des gens quoi. Bon, bah on les tue alors. Ah bah est-ce que tu penses en plus que ça va bien se passer si on balance 7000 vampires sur une ville, sachant qu'ils sont tous affamés de ouf? Oh, la belle rouge. Oh, avec le beau. Ils n'ont pas osé montrer les enfants qui explosent. Un peu déçu. Ah bah oui, c'était pas Disney Plus. Ah, on s'en fout. Tu vois, on parlait tout à l'heure de soulever une table de marbre. C'est pas si difficile. Et sans se coincer les doigts. Franchement, c'est beau. Moi, je dis. Oh, ils sont vivants les autres kiki là. Ils ont pas explosé. Non, il y a tout un truc de fou, j'ai l'impression. Astarion, il est quand même mort. Putain, c'est nul. Oh. Elle est nulle cette arme. Je suis pas si déçu. Je pensais que ça allait être bien, mais c'est vraiment nul. Bah le bâton, il est pas cool pour toi. Bah non. Mais ils sont pas censés être morts. Il fait 9 à 19, le mec. Ouh, Dame, Peggy 18, Peggy 18, stop, ça va arrêter. Non, non, on va pas. Ah, moi je vois les mots. Là, normalement, il est pas censé avoir des feuilles de je sais pas quoi là. Bah si. Bon, je lui parle moi parce que moi je m'en fous du Peggy 18. Ouais, nous les tchouches hein. Non, mais bon, c'est surtout que nous on n'est pas en train d'enregistrer quoi donc. Ouais, mais c'est exactement ce que je dis. Mais du coup, raconte. Raconte qu'est-ce qu'il dit. Regardez-nous. Regardez-nous, ah ouais, carrément. Bah, on vous regarde, on vous regarde. On ne voit que vous, hein. Suppliez-moi de vous épargner, rejeton inférieur, ou vous êtes des victimes, vous pouvez partir, ou... La réponse attaquer. Assez classique, attaquer. D, la réponse D. Bah la réponse D, là, bon. Sachant qu'elle est à moitié à poil. Et tu vois, on va pas la... On va pas larguer 14 000... Par contre... Voilà, les 7000 sont crevés, donc là, on a juste les... Donc qu'est-ce qu'on en fait de eux, là? Bah, c'est des vampires. Bah non, justement, je sais pas si c'est des vampires, eux. Marqué mort-vivant, niveau 11, rejeton de vampire. Ah, non, parce que moi, il y a marqué Aurélia 2 points, si tu veux, donc... là, tout moi, suite, j'ai fait un clic droit examiné, et globalement... Du coup, on la bute. C'est des gens qui doivent mourir. D'accord.
Si c'est des gens qui doivent mourir. Ah non, on a mourir. Ah d'accord. Et t'as pas une option à attaquer? Vous êtes en combat vous? Bah non. Non. Moi je sais juste que si je me mets. Si je me mets proche de. Ah, bah voilà. Après l'avoir tué, je suis passé en combat. Ah, moi je suis en train de parler à Léon qui me dit qu'il a la tête qui tourne et qu'il ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui va nous arriver? Bon bah. C'est con, et j'aime bien le mec. Vous allez nous tuer? Ah, bagarre! Ah, mais... adieu, Yorsen, hein. Attends, il en reste 3 encore. Parfait, j'ai 3 sorts de... Attends, moi j'aimerais bien parler à... Attends, c'est qui là ça... C'est qui là enfin, je... Alors, Las. Attendez, je lui parle. Mais allez non, mais... J'étais en train de lui parler. J'admirais ses... Les arguments. Mais non, mais arrête de les balancer dans le vide, ils ont bah, l'avantage c'est que du coup je suis plus en combat avec, je peux lui reparler. Mais non, alors, non, arrête de les hit là. Mais elle me dit rien. Mais non, mais... Oh, doucement Lona. Hein. Voilà, Calador c'est de la poussière. Ouais. C'est de prix de frame. Attends, Rebuke ça veut dire quoi déjà? Quoi? Elle a dit qu'elle allait vivre comme un permanent rebuke à tous ces monstres. Un rebut. Yit. Non, mais réprimande. Reproche. Yit. Faut que je yit quelque chose, ça me déçoit. Mais c'est bon, tu as déjà yit 2. Attends, je peux tester un truc. Wow. Oh, est-ce que je peux yit Non, pas le cadavre, oh, attends. Qu'on l'ait looté. Je sais que c'est pas possible, mais... Sur est-ce que je peux hit le monk? Ça pourrait pas être énorme que t'arrives à mi-hit en fait. Tu sauvegardes d'abord avant de faire ce genre de conneries. Mais mec, t'as un truc qui empêche que tu sois bougé contre ta volonté, je crois. Oui, bah... c'est vrai. Mais ça, il est pas au courant encore. Ah, je suis déçu. Aïe. Marche pas. Mais non, Par contre, est-ce que je peux hit le nain? Moi je vais parler à Palpétras. Ouais, vous l'avez fait. Eh bah tu vas mourir. Ah, est-ce que vous allez me tuer comme vous avez tué les autres? J'en ai peur en effet. Est-ce que je vais le hit du coup? Oui. D'accord. Ok, bon bah toi tu vas que bagarre, hein. Écoute, ma foi monsieur, tu te montres véhément. Voilà. Mais il voulait mourir comme on a tué les autres. C'était quand même un combat à genre 12 ou 13 000 d'XP normalement. Hein. Ouais, c'est ce genre de truc, si t'arrives là niveau 11, tu termines d'office niveau 12 quoi. C'est ça. Non, t'inquiète, il va rien sentir. Quoi? Tiens, je t'ai balancé une chauve-souris morte. Cours. Obligé à réagir. Ah, tu m'as pas eu. Non mais on peut parler. Non. Non mais oh. Ah. Yit. Bah le nain, il est tombé. Bah le nain, il est tombé. J'ai tourné la tête et hop, tombé. Il avait disparu. Il m'a envoyé Batman à la tête. Attends. Batman. Because I'm Batman. J'bine la nuit. J'bine the night. Ah là là, qu'est-ce qu'on aura été sérieux aujourd'hui? Ouais, mais c'est pas grave, on s'amuse. C'est vrai qu'on rigole beaucoup. On rigole, mais quand est-ce qu'on picole? En octobre. Ah, parce que vous avez pas commencé? En octobre? Bah, moi je dois dire octobre, que... T'es encore dans une année sans alcool? Mais ouais. Une année sans alcool? Ouais. Mais c'est quoi ce truc de vieux, t'as 36 ans ou quoi? Bah oui. Damn. Ah, le jour où ça va tomber sur quoi de la gueule, on va tous se foutre de la tienne. Oh putain. Ah non, il aura pas de ce genre de problème là, il vient du nord, il est imbibé d'alcool depuis le biberon. Ouais, ça. Moi quand j'étais malade et que j'allais chez ma très chère grand-mère, hein, j'avais un whisky coca pour me retaper. Hein.
Non mais puis c'est surtout qu'eux dans le nord, tu sais, ils viennent avec un fouet qui a déjà la cirrhose quoi, donc bon... Tu nais à la cirrhose. C'est que bon, ils peuvent pas en avoir une deuxième quoi. Ça renforce juste la première, c'est tout ce que ça fait. Si on se mettait les uns pas loin des uns des autres pour se mettre un petit coup de potion. Il y a que moi. Attends, ouais, y a pas de problème. Attends, je vous rapproche Clatox. Non mais oh. Oh, je veux mettre un coup d'épée, mec. Qui a besoin de heal. On va pas soigner ton pet quand même, ça va pas la tête. Attends, il a été vachement utile. Non mais vous avez fini. Mais vous êtes intenable. Wow. Vous êtes intenable. Attends. Alors, note pour plus tard, j'ai tapé la potion. Et là, on va vous faire mourir en plus. Ah! Mais vous avez fini de prendre des dommages dans le feu, les gars. Vas-y! Hein. Non, mais c'est bon là! Je t'ai pas tué! Toi, tu m'as tué! Je t'ai pas tué? Mais je t'ai pas tué! Moi non plus! Je t'ai pas tué, je t'ai sauvé la vie! Regarde, je te déplace. Je te déplace gratuitement. Oui, pareil, parce que là, franchement. Tu vois, après, tu dis merci. Gars, donc en soi. Mais non, je te déplace gratos. C'est du transport en commun. Je sais pas où t'es par contre. C'est... Ah, mais on peut pas se TP. Je peux pas me contrôler parce que je suis knockdown. Mais t'es où? Ah, je sais pas. Loin. Je sais même pas où t'es. Ah, c'est bon, t'es là. Ah, bah en fait, il t'a. T'as téléporté sans téléporter. Mais on a pas tout. Plein de gens. Ah bah y'a une cinématique d'ailleurs. Mais on a pas tout visité. Pourquoi t'as pas reload quand je t'ai marave la gueule? J'en fous. Ah. T'as un PV mec. Alors. Ah, c'est un de plus que d'habitude. Alors en fait, soignez-vous. Parce que manifestement, elle a pas l'air hyper contente. J'arrive, attends, je viens négocier. Oh la réponse 3 elle est pas mal aussi hein. Ah j'ai pas lu encore. J'ai un PV hein. Mais c'est pour ça que je t'ai dit de te soigner. Ouais, ils ont peut-être des objets bien hein. Bon alors qu'est-ce que tu choisis? La 1, la 2 ou la 3? Les 3 sont bien. Manifestement, je choisis le fait qu'on va se faire buter parce que je sais pas leur parler. Vu que celui qui sait parler, il était derrière avec le nain à se taper. C'est pas vrai. If nothing else, we could have said goodbye. Our children have been twice taken from us. Mais sans déconner. Quel bande d'ingrats. Ouais, si vous saviez faire votre boulot, bande de débiles. Mais garde tes gosses aussi, je veux dire merde. Attendez. Ah, oh, je peux toujours pas jouer en premier, putain, mais ça fait chier. Après, ils peuvent leur dire au revoir, c'est les petites adjuvantes qui sont là. Tu t'es soigné, Katox? Ah, bah c'est sûr, donc oh, oui. Bon, si c'est des chasseurs de monstres, c'est que les mecs ils sont pas capables de garder leur gosse, j'ai envie de dire à quoi bon les laisser vivre. Hein. Pas dans le combat, bien joué. Mais le gars il est à l'autre bout du monde. Je suis pas à l'autre bout du monde, mais je pensais juste que voilà, je pouvais passer sans me faire repérer. Mais en fait, non. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais c'est une frappe. Ça veut dire quoi? T'as joué devoir Katox passer en mode fumée. Oh non, incapable de bouger, c'est relou. Non. Je suis où? Non, ça j'esquive ça, j'ai pas envie. Bah pourtant t'as été bloqué. Mais pourquoi? Mais pourquoi je suis en combat? C'est lequel là qui t'a... Ah mais non, ça marche pas si je lui casse la gueule. T'inquiète, c'est bon, j'ai enlevé. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il est... C'est pourquoi c'est un nuage? Parce que voilà. Pourquoi t'es un paix volant là? C'est quoi le délire? C'est quoi le principe là? Mais je pensais être invisible quand je t'en forme gazeuse parce que tu vois. Comment pas les gaz. Que j'ai avant... Ah, j'attaque des ombres. T'attaques des ombres? Tu te calmes. Je continue. Tu te calmes. Oh non. La cupe, elle est pour moi. Elle est pour moi. Oh. Et là, incroyable, des actions en plus. Incroyable, il y avait longtemps, merci beaucoup. Eh ben c'est avec plaisir ma foi.
Je suis content d'avoir. Ça m'avait manqué. Allez pas à droite, allez pas à droite, allez pas à droite. C'est pour ça que j'ai pas foncé dans le pack. Hein. Enfin, s'il y a que ça, je m'en vais. Enfin, moi, c'est pas un problème. Hein. Ah, ouais, s'ils viennent tous au cac pour lui taper. Moi, je veux bien aller là, hein. Ça me dérange pas. Hein. Je vais là où. Après, ils vont bouger. Hein. Y'a qui va bouger? Ah, non, peut-être pas. C'est tous des archers, ils vont pas bouger d'un cran. Quoi. Tiens, ouais. Hémorragie là, allez. Ah ouais, c'est pareil, moi si je les bute, ça me fait une action en plus. Hein. Bah, il a invoqué un porc. Un cochon? Non, je crois que c'est 4. Ah non, d'accord. On appelle Bacon. Invocation de Pumba. Je crois qu'ils essayent de tirer dessus, mais bon. Manifestement, je sais danser la rumba. Il danse la lambada, l'autre, quoi. Bien joué, ça. Ils ont pris tellement cher, les teuteux, là. Oh, il y en a un, il a 9 PV, c'est le mien. Hein. Clairement, celui-ci, là. Bah, moi, du moment qu'ils ont... Ouais, 13 PV, ça peut le faire. Esquive, ah non. Oh, le 28 PV, c'est pareil, hein, c'est de l'eau. Hein. Oh, un copain. Allez. De... Aïe. Ah, je crois que lui, ça va être la même. Aïe, aïe. Esquive. Ah, c'est... Pourquoi le sanglier, il joue? On comprend pas. Ah, mais il a fait mal à son pote. Non, mais vous avez fini de me taper, c'est bon. Oui, bon, bah oui, forcément, au bout d'un moment... Ouais, bobo, quoi. Comment ça? Ah d'accord, je crois qu'elle a essayé de me faire dodo. Ah c'est dommage, j'étais en plein milieu, j'aurais mis un petit clip là. Oh, et comme je suis par terre, j'ai plus mon élixir, mais j'ai envie de canner. Si, tu l'as encore ton élixir. Il y a marqué un tour. Bah non, regarde, condition jusqu'au long repos. Ah le cri avait l'air d'être mais assez non, dodo. Non, ça c'est quand tu peux justement jouer une action en plus. Ouais, non, t'es un génie, t'es un génie. Bon attends, faut que je te yeet une potion. Yeet. Ça c'est bien je crois. Paf. Bon. Ah. Ah. Ah là, il faudrait... Est-ce que si je te pousse dans le truc... Non mais au pire juste tu m'aides. Bah je peux plus là, j'ai plus d'action. Je peux... En fait je peux attaquer mais je peux pas te relever. Je me débrouillerai. Non mais attends, c'est plus que ça. Est-ce que là je peux te relever? Non je peux pas putain, désolé hein, mec. Tu peux pas faire quelque chose? Oh, je te sauve en... Ouais. Bah marche dans ta potion alors. Ah ou non, attends. Katox, il peut y aller, mais... Non, c'est plus que si quelqu'un marche dessus, elle disparaît, c'est pour ça, mais si c'est eux, ils vont gagner des PV, du coup c'est un peu dommage. Ah bah ça, oui, mais je comprends pas parce que je t'ai visé, t'étais dessus à 100%. Oh oui, vas-y, galope dedans. Ah non, tu peux pas. Comment ça, si, ah, si tu peux. Mais par contre, j'ai pas compris parce que je te l'ai jeté à la gueule avec les 100% sur toi et c'est tombé derrière. Tu veux pas te déplacer là Si, mais en fait, le truc c'est si je clique sur Estrade, il y a marqué provoque une attaque d'opportunité. Moi je veux juste me déplacer un petit peu. Voilà. Esquive. Double esquive. Ah voilà. Je suis revenu. Back in the game, baby. Here again, it's me. Hello, it's me again. Y'a pas un Gus qui a 2 PV là? Oh lui là-bas il en a pas des PV là. Après 33 tu vas le... Non mais je m'en fous de lui. J'ai besoin de tuer quelqu'un. Voilà, c'est fait. Du coup comme j'ai tué quelqu'un, maintenant j'ai 2 attaques de plus. C'est nettement plus intéressant. Dégage. Du con là. Du con là. Ah, t'apprendras à vouloir me buter là. Il est bougon. Ah il m'a tué. Tiens, je vais aller voir ton élémentaire de mort là. Tiens. Impalo hippie, il a dit, attention. Allez, ma musique est.
Il fait manifestement, il aimait pas ton morceau. Hein. On ne tue pas le talent. Le talent était déjà mort. Oh, est-ce que je vais gâcher des spells sur ces minables? Pas trop. Oh, petite fire boubou. Oh non, un petit rayon de givre, il y a peut-être une chance pour qu'il se casse la gueule. Et sur 14. Mais non! Arrêtez de me faire mourir! Lui enlever son piège, ça c'est pas mal. Son piège. Oh la riposte. On s'en a pas fouillé les enfants. Bah, c'est vrai que maintenant les portes sont ouvertes, on pourra peut-être aller les fouiller. Peut-être des trucs intéressants dessus. Non, bon. Je vais pas regarder au bon endroit. Ça devient de plus en plus bizarre ce que tu dis. J'ai mis deux critiques en un combat. C'est beau. Bon, après j'ai fait 32 dégâts. Jacqueline, la Oulma, elle avait des trucs? Oui, il y avait une clé. Il y avait une clé et des armes. Bon, eh ben, c'était une bonne journée à Baldur's Gate. Ah, des journées comme ça. Ouais, mais la vieille, elle nous a pas filé de la thune, c'est pas cool. Après, si on lui a pris sur son cadavre, ça marche aussi, non? Ouais, je sais pas ce qu'elle avait sur elle. Mais de toute façon, ces gamins, ils étaient déjà zombifiés. Ah oui, oui, non, là, c'était juste de la mauvaise foi. Hein. Oui. Bah, si elle voulait se défouler, quoi. Bon, le problème, c'est que c'est nous qui nous sommes défoulés à sa place, mais. Tant pis, finalement. Exactement. De toute façon, s'il se plaignait de la mort de vampire, c'est qu'il méritait pas de vivre. Hein, en vrai. Alors, si jamais, on peut pas ouvrir les barrières. Déception sur 20. Comment ça, on peut pas ouvrir les barrières? Bah, ça se projette pas et. Ah, d'accord! Au fait, on a pas fouillé la grande piécette. Quelle grande pièce? La grande pièce. Bah, là, il y a des trucs. Là où il y avait Casador, il y avait des trucs à regarder. Attends, je redescends, parce que là, du coup... Si on a des richesses... Oh putain, vous avez filé toutes vos merdes. Ah oui, t'as raison, en dessous, il y a un truc. J'y vais. C'est pas toutes nos merdes, c'est toutes leurs merdes. C'est vrai que tu vas à deux à l'heure, toi. Tu feras gaffe, tu marches lentement. Mais c'est peut-être parce que t'es nain, t'as des jambes courtaudes, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas parce que comme si j'avais 250 kilos sur le dos, quoi. Ça, je sais pas, moi. Hop là. J'ai looté à leur place, du coup j'ai renvoyé avec les. Oh, ça n'est pas du tout. Il faudra juste qu'on trouve un petit à l'intérieur de l'épisode un petit marchand pour que je lui vende toutes mes merveilles, quoi. Chaud là-dedans. Ouais, il y a des trucs intéressants pour toi ici. C'est un peu ton escape game, quoi. Oh là, ça a l'air compliqué. C'était la chasse aux œufs avant. Avant la cloche de Pâques, quoi. Ouais, exactement. Vampire avant Velios. Paf. J'ai appris. Oh zut, c'est un parchemin d'invocation mineure. C'est mieux que rien, mais. C'est con, parce que je croyais qu'il y avait un endroit où justement il disait oui, alors ce magnifique endroit construit par le peuple le plus doué de tous les temps. Savoir les nains. Oui. Bah, c'est ça ressemble à l'architecture naine. C'est quand même classieux, on peut pas dire le contraire. C'est quand même cossu. Hein. Par contre, niveau de la lumière verdâtre. Par terre là. C'était juste ça là, on est revenu juste pour ça. Et il y avait des pare-chauds pour Arda, c'est bon, tu. Oh. Il en faut pour tous les goûts. Bon. Ah, attendez, il reste. C'est quoi ça là-bas? No joke, un truc. Où c'est quoi, ça? Je sais pas, sur la carte il y a un truc. Du coup j'y vais. Ici il y a une porte. Bah c'est ça. Peut-être une sortie express. Je sais pas. Ça a pas l'air de se crocheter, Ça a pas l'air de se crocheter. Non, c'est juste une porte qui. Et je peux pas faire avancer ma caméra, du coup j'ai l'impression que c'est. On est baisé. Ouais, bon après on est plus en zone de combat donc on peut aussi se téléporter direct, hein. C'est l'avantage. Oui, c'est une très bonne idée. Canada donjon ou autre? Bah on va sortir, on a plus rien à faire ici, on a tout fouillé. On retourne à Baldur's Gate. La porte de Baldur. Attends. Trop tard.
Parce que... sens qu'il va essayer de me guider encore. Mais non, mais sur la carte justement, quand t'inspectes la carte. Mais bah non, vas-y, mais quand t'inspectes, c'est les égouts, ça n'a aucun intérêt. Et bien par là, sur la carte, il y a un truc, non? Alors, là, sachant que tu marques sur un endroit que je ne vois pas, je ne sais pas. Genre... Est-ce que ta caméra y va? Non mais, je n'y suis plus. Non mais je parle pas. Oui, mais je parle aux autres, mais pas le centre du monde. Ah bon, je suis encore en chargement qui ne charge pas, donc... Bon, je suis revenu. Non mais la caméra n'y va pas, je suis un peu déçu. Ouais, c'est foutu. Mais il n'y a rien sur la carte, il n'y a pas de zone. Et si tu regardes Arda, dis-moi qu'il y a quand même une zone là, sur la carte, j'ai mis mais un pin. Oui, il y a l'air d'y avoir un truc, mais on peut pas aller dedans. Non. Ah. Mais non, non. Appuyez sur M, tu zoomes, et tu vois bien que la carte, elle est délimitée là où vous êtes. Il n'y a pas mais... une délimitation là-bas. Bah, tu vois bien. Là, tu bon, regarderas ouais, sur le Discord. Mais non, mais je suis venu, je suis là. Ah bah voilà, pour moi, t'as une petite délimitation, c'est tout. Mais non, 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 c'est un escalier, c'est tout. C'est architecture de nain, tout pour faire chier. Je crois que le jeu, il est mouru, hein. Donc, il est monté apparu. Ah oui, mais maintenant, j'ai juste... Ouais. Super. On peut toujours te pousser. Ouais. Bah t'es coureux. Hop là. Ah, on peut faire la fin de l'épisode. Le contrôle là-dessus ne marche pas. Bah, on va pouvoir faire une petite fin d'épisode là-dessus, ce sera bien. Eh bah super. Bah des bisous hein. Des bisous, c'est ouais, pratique, je reviens, structure. Je remets je reset le PC. Ciao, à de suite. Gros bisous. À bientôt tout le monde. A plus.